Non, merci Roucast. Pas au problème. Alors, le Lanus A, on l'a pas fait. Qu'est-ce que c'est? On a deux Lanus, respectivement dans les moteurs et les armes. Un humain, c'est moment. Au pilotage. Le chain laser, c'est pas dingue. 16 secondes pour la première salve de deux tirs, puis ensuite, ses charges deviennent plus Je rapides. commence à le prendre et à lui sucer derrière. Jusqu'à arriver à une charge à 7 secondes. Là, c'est rapide, mais ça prend du temps. Et l'étourdisseur ionique, qui en plus d'étourdir des gens, vont surtout nous permettre de faire tomber les boucliers directement, si ça touche, dans la première zone en tout cas. Merci Gnorki, qui offre 5 subs à la communauté. Des nouveaux subs en plus, incroyable. Bienvenue. Et merci. Ok. Le moment. Le bon moment. Ça va être un bon moment. Alors, peut-être pas pour tout le monde. Je commence à le prendre et à lui sucer le... Mais on va passer un bon moment, j'en suis sûr. Ah oui, évidemment, hein, les sur-youtubeurs Cyprien et Squeezie, bien sûr. Merci Dedoche pour le prime. Merci Lofi qui surenchérit et offre 10 subs. Merci beaucoup. Des nouveaux subs également, c'est incroyable. Merci Seisha et Tanamassar pour les primes. C'est incroyable ça, c'est incroyable. Merci pour vos subs, bien sûr. C'est la folie. Et Penguin Suisse qui offre 5 subs à la communauté. C'est la folie. Waouh. Guerriro, Oge. OGS 95 qui prime également. À le prendre et à lui sucer le derrière. C'est la hype, ça c'est la hype de FTL, hein. C'est vraiment un jeu incontrôlable. Donc en plus de ça, nous avons les respirateurs d'urgence. Les dégâts subis par l'équipage en cas de manque d'oxygène sont réduits de moitié, c'est très bien, on va y aller tout de suite. Ça avantage moment. Alors ici, il y a plusieurs écoles, ou bien on laisse comme ça, ou bien on se dit... On se dit, voilà, on fait comprendre un moment qui va passer à un moment assez privilégié. Mais qu'il n'a pas intérêt à sortir de sa cabine de pilotage. On a le hacking également, alors ça c'est une grande nouvelle. Donc on va pouvoir hacker les shields ou le pilotage. Oh, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. On passe un bon moment finalement. Hein. Ok. Très bien, let's go. Alors, la hotkey du hacking, c'est quoi? Vos scanners révèlent la présence de formes de vie intelligentes sur une planète proche. Pourtant, selon votre base de données, celle-ci devrait être inhabitée. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais communiquer avec ces créatures. Incroyable. Robot chiotte, c'est parti. C'est parti, on est déjà dans la place. Alors, il y a deux écoles. Hein. On pourrait se dire qu'on pourrait... On pourrait... mettre un Lanus au pilotage. Le problème, c'est que tout de suite, ça rend moment un peu plus obsolète et c'est dangereux pour son avenir au sein de l'équipage. Mais l'avantage d'un Lanus, bien sûr, dans la cabine de pilotage, c'est que vu qu'il n'y a pas d'oxygène, il y a moins de chances qu'on vienne le faire chier. Certes, il peut être encore mind control, mais c'est pas inintéressant. Alors, on va mettre robot chiottes aux armes. Et moment au bouclier. Un rôle capital. Ok. Très bien. Le wow animé, c'est son cheer mode customisé. Merde, j'ai pas regardé la hotkey du hacking, bordel. Merci Jean Tu Douglas 2 pour les 500 bits de quoi. En Islande avec un bourbon devant ton live. Je reçois une grande procuration de plaisir. Putain, énorme la chance. C'est Rock et Geek pour les 400 bits de quoi. On va passer un très bon moment, mais oui. Ok. Il essaie de s'enfuir. Alors ça, on est pas d'accord. Ah non, c'est le pilotage que j'aurais dû hacker. Je me déteste. Oui, c'est N une fois que c'est balancé, mais ce qui m'intéressait, c'était l'origine. Mais qu'est-ce que je fais? Ok, c'est bon. Mais non, mais c'est les armes que je devais... Ah mais non, mais c'est qu'un basique laser, donc en fait, ils servent à rien. Merci à eux. J'avais même pas besoin de hacker, c'est un gâchis. C'est pas grave. Il n'y avait aucune urgence, ce vaisseau ne peut pas me faire mal. On pourrait d'ailleurs, tout de suite, bien évidemment, XP à l'infini, sauf que non, vu qu'il essaie de s'enfuir.
Ok. C'était presque déjà le moment de la pause pub, mais vous êtes sauvés car il essayait de s'enfuir ce vaisseau. Merci la paire d'Igno pour le Prime et Christopher. Vos appareils vous révèlent la présence d'un important champ d'astéroïdes non loin. J'y vais. Pas de panique, je gère. C'est vraiment sympathique. On va attendre que l'oxygène revienne gentiment dans la clone base, c'est chose faite. Et moment, on va filer un coup de main quand même. Énorme. Robochiotte qui suffoque un peu, mais tout va bien. Il gère. Salutations. Vous recevez un message. Tous nos vaisseaux militaires ont été détruits ou endommagés pendant la rébellion et nous avons pris un camp... Ah, nous avons appris qu'un camp militaire Mantis se trouvait à seulement quelques sauts d'ici. Oui, casser la gueule du Mantis, pourquoi pas. Oh, l'appel de détresse, c'est tellement dommage, mais j'ai pas vraiment envie de me le permettre. Ça me ferait faire un saut invalide. Oh, le soleil de Seymour. Oh non. Ok. C'est bien. La bombe, j'ai peur. C'est raté. La moule magique. Tout va bien se passer. Allez, je vais pas hacker. L'oxygène, c'est vraiment ballot pour le coup. Tout se passe bien, je gère. C'est le Lanus A. Il n'y a pas de Lanus C. Comment dire? La disposition C n'est pas disponible pour les deux vaisseaux de l'extension, c'est-à-dire l'Anus et le Cristal. C'est là la quête de casser la gueule des Mantis. J'ai toujours pas aidé mon vaisseau, c'est un choix courageux. Vous trouvez le camp des Mantis, mais ces derniers sont beaucoup trop nombreux pour que vous puissiez les compter avec précision. Vous envoyez un message longue portée à la colonie en les informant de votre découverte et en ajoutant que malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Une attaque directe serait du suicide. Alors vous essayez de partir, un vaisseau de patrouille vous repère, des sirènes se mettent à retentir dans le camp et le vaisseau passe à l'attaque. Oh. 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 Et comme ça on est sûr de pas louper vu que le pilotage est hacké. Eh bah si. Le pilotage s'est arrêté juste au mauvais moment, mais l'essentiel est là. Ah, c'est un NJ qui doit réparer. Ah, alors que la small bomb vient me casser les couilles. Décidément, on en veut à mon oxygène, hein, mais ardemment. Ah, ce NJ. Quelle fougue. Bon, on est pas mal, hein. On est pas mal niveau ressources. Faudrait peut-être que j'en dépense, d'ailleurs, un moment. Tout va bien se passer. Un magasin serait pas de trop. Un éclaireur rebelle. Et à lui sucer le derrière, encore. Merci Onyxou pour le Prime. Merci à Jatravartit qui a offert un sub. Merci Kaitos22 qui offre 5 subs à la communauté. Un éclaireur rebelle automatisé s'est posté près d'une petite station spatiale. D'après vos capteurs, celle-ci a l'air utilisée pour stocker du matériel militaire. Oui. C'est tard. Peut-être ça le meilleur move en fait. Ouh. Oh non, il revient. Il revient beaucoup trop tôt. Genre l'IA qui répare pile à ce moment-là, si ça c'est pas dégueulasse. Sérieusement ?
C'est chiant. On n'avait pas hacké le pilotage là ? Ah mais non, j'avais hacké les armes, idiot. Putain, merci. Quel enfer. Ok, c'est chiant. Merci. On ne loupera plus. Ah, The StarTAC, terrible. C'est marrant, hein, Isaac. Beaucoup de femmes aiment Binding of Isaac. Que le jeu est quand même relativement effrayant de base. Mais souvent des viewers sur Isaac. Alors, un vaisseau pirate particulièrement bien armé s'approche de vous. Remettez-moi l'un de vos membres d'équipage et nous vous laisserons la vie sauve, bien sûr. Jamais, vous m'entendez? Jamais! Ah, drone anti-drone, on va éviter alors. De gaspiller des drones de hacking, même si je peux évidemment tricher, je sais tricher. C'est une de mes forces. Des bisous, all the love. Qui a bu? J'ai vu, merci. Merci d'avoir bu. Ah, merci Necrolon, c'est vrai que... très très fier de cette interview avec cet ancien pro de jeu de cartes. Wow. Le timing est dégueulasse, hein. Faudrait trouver une solution. Mais là c'est bon, le timing va être bon vu que le chain laser est à son niveau maximum. Et là ça envoie. Non, je veux pas hacker, hein. J'ai dit je veux pas hacker. Ouais, on va à Arras, hein. Sans aucune subtilité. Ah, le con. Mauvais timing. Et voilà, et je me fous dans la merde. Avec un personnel de merde qui l'a foutu dans la merde. Merci. Ils doivent tous être occupés à réparer. En tout cas, ça touche à chaque fois vers la fin. 5000 bits, quoi. Hein. De Golgot Chafouin de retour. Toujours un plaisir. Et si on est à 15, c'est l'amour. Ah, même s'il est à 15, c'est l'amour qui s'exprime, j'imagine. Merci beaucoup. Citizen 29, merci beaucoup pour les 500 bitcoins. Tu me sauves de la maladie. Excellent. Tant mieux. Bon rétablissement, merci The Babou et Edginchi pour les primes. Et des ressources, moult ressources, et toujours pas de magasin en vue, hein. Décidément, c'est tabou, visiblement. Dur de tricher avec le hack sans pause. Ça se fait, il faut juste qu'il soit à 1 d'énergie. Et en faisant clic droit, clic gauche, ou les hotkeys, ça fonctionne. Ok, ça, oh là là, on n'aime pas du tout ce qui est en train de se passer. Je vais anticiper comme ça, je pense. Non, c'est pourquoi j'ai laissé le laser partir. Allez, on a de la moule. Ok, la bombe, c'est une bonne nouvelle, s'il reste que la bombe. Mais pourquoi toujours l'oxygène, bordel de Dieu ? Bon là en fait, la bataille est longue, mais finalement ça me fait XP aux armes en vrai. Car même si la remettent en ligne, de toute façon je hack les armes. Donc voilà, même si j'optimise pas les timings là, je m'inquiète pas trop. Saut imminent. Ah non, j'avais pas vu ça. Non, je veux sauter avant eux. Oui, oh, je l'ai moulé. C'est la moule magique, hop. Ne vous inquiétez pas, je maîtrise. Vous détectez deux vaisseaux, l'un pour chassant l'autre. Les scanners indiquent que le poursuivant est un pirate. Bien sûr. Là, les pirates. Ça aussi, on n'aime pas du tout. Le mini-beam, s'il y a touche, c'est dégueulasse. Mais normalement, le timing va être parfait pour que je laisse le laser partir et que je hack derrière. Sérieusement ? C'est pas grave, ils sont des synchros. Donc on passe plutôt à bon moment pour l'instant. Ah bah là c'est beaucoup mieux. Donc là ils essayent de rentrer dans leur cabine d'armes. Courage les gars, on est avec vous. Hein. Il faudra éteindre le feu là-bas. Hein.
Là, le temps commence à presser, hein. Ah, j'aurais pu essayer de les tuer, peut-être. Bon, c'est pas grave. Ah, mais c'est un Stunion ! Attendez. Il est étourdi. Ah bah merde. Ça a brûlé ailleurs. Double récompense avec le faisceau civil. Il est temps de partir. 140 de scraps, hein. Mais pas de magasin. Réparer 10 points de dégâts ? Non. On aurait pu, hein. C'est un bon rate. Rocailleux ou pirate ? Bon, si on veut des secteurs verts, on va devoir partir vers les pirates. Voilà les pirates. Quelle vie, je suis dans un camion pour faire les puces demain matin. Heureusement que tu es là. Putain, c'est beau. Nébuleuse, c'est plutôt cool. J'attends le magasin, j'ai envie d'investir, putain. Faudrait quand même que je mette le deuxième bouclier, c'est un peu chaud hein, comme situation. Situation plus économique serait peut-être de mettre le hacking niveau 2 en place. Un vaisseau de la Fédération sévèrement endommagé se cache dans la nébuleuse près de cette balise. Avant que vous n'ayez le temps de le contacter, il disparaît dans les nuages de gaz et de poussière. Alors si je loupe cette poursuite, la flotte va... Enfin, la flotte rebelle va avancer d'un saut. Mais en même temps, je suis dans une nébuleuse. Ok. S'enfuir, c'est plutôt de bon augure. On va essayer de bien d'attendre un petit peu pour timer un maximum comme il faut. Ok. Bonne chose de faite, maintenant on ne peut plus louper tant que c'est pas réparé. Il est temps d'achever le shield. On rehack les armes, hein. Faut bien lui faire comprendre qu'on n'a pas le temps. Oh là là, c'est chaud, ça brûle. Oh, il est mort de décès. Si tu tombes sur un secteur abandonné, vas-tu y aller et te faire un équipage de suceurs d'oxygène. J'avoue. Ah, détresse et boutique. Ouais, détresse d'abord, hein. La gourmandise. J'aurais même pu faire le saut en bas à gauche, je pense pas. Vous donner du carburant. Bonjour, quel plaisir de vous voir. Cela fait des semaines que nous dérivons dans le vide à court de carburant. Nous étions terrifiés que les pirates ou les rebelles nous tombent dessus. Vous n'avez pas un peu de carburant? Allez, deux, ça va. Merci pour les 31 scraps avant d'aller au magasin. Allez, c'est un secteur pirate, donc des magasins, il n'y en aura pas des masses. Espérons qu'il y ait quelque chose de bien. Genre un Burst Laser 2. Merci la brique pour le Prime. Drazen 2 également. Phil Marcus. Ejinchi. De Babou, merci. Ok. Alors, de jolis drones aussi, mais on va pas prendre le système de drones pour la simple et bonne raison qu'on joue le hacking. Donc au bout d'un moment, les drones, c'est une denrée rare et chère. On se dirigera sûrement vers un classique cloaking contrôle mental si on veut jouer full défensif. Je suis pas sûr de vouloir jouer téléportation si j'ai le hacking à gérer en plus. À voir. Ok, on va safeiser en prenant un peu d'essence tout de même. Alors le problème du chain laser, c'est son manque de synchronisation. Il sera synchronisé qu'à sa deuxième utilisation avec le Burst Laser 2. Ensuite, l'étourdisseur ionique, bon. Ça reste un ion A pour 1, hein, mais c'est pas dingue. Hein. Surtout c'est lent, 10 secondes. Bon, quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'on prend le Burst Laser 2, hein, ça y a pas d'embrouille. Une des meilleures armes du jeu en termes de rapport énergie tir efficacité avec le flak 1. Ok, alors ensuite mettre quand même le chain laser en ligne, c'est pas déconnant. La batterie c'est fort, mais en oppose ça l'est beaucoup moins. Et si c'est fort, mais c'est pas la priorité, ça en fait. 35 et 20, ah, il me manque un peu. Non, il me manque pas. Ok. Alors au pire, si j'ai un peu peur de mes timings,
J'ai toujours du coup la possibilité de... de hacker les armes. Niveau 2. Votre arrivée à une myriade de signaux d'alerte illumine votre écran. Un vaisseau pirate à proximité, manifestement équipé de modules de piratage de pointe, a tenté de couper vos moteurs. Alors si j'ai 0 en moteur, c'est vrai que je passerai à 0 d'esquive. On va contrôler le piratage, mais du coup ça me dispense de mon piratage. C'était peut-être pas la meilleure idée. Et ils ont du main control, intéressant. Bon, eh bien écoutez, on va peut-être douiller sur cette première partie. Eh bien non, car on a fait tomber ça avant... T'sais, il a mind control niveau 3 ou quoi? C'est quoi ce délire? Bonjour. Non, là on se met bien en vrai. Hein. Il remind control moment. C'est bon, moment solide. Reprend ses esprits. Incroyable. Une deuxième boutique. Ah, je suis hélas ruiné. Alors ensuite... Évidemment, j'aimerais optimiser le secteur. Ça doit être la seule et dernière boutique. Enfin, c'est la dernière boutique de ce secteur, c'est à peu près sûr. Hein. Je pense pas qu'on puisse avoir trois boutiques sur un secteur de pirates. Parce qu'évidemment, s'il y a un burst laser 2 ou un flak, on revend les deux autres armes et on se débrouille, quoi. Mais vu que j'ai le deuxième bouclier acheté... On va peut-être continuer. De l'esquive aussi. On va plutôt faire de l'argent, hein. Donner deux drones, deux d'essence pour un drone. Alors c'est vrai que les drones c'est cool, mais l'essence c'est important également. La détresse, on va essayer de se le garder pour la fin. Ça devrait être jouable. Là par contre le manque, les deux boucliers se font sentir car il y a 3 tirs de laser en face, je n'ai qu'un bouclier et 15% d'esquive, on risque de douiller. Espérons que ça aille pas dans les armes, ça ralentirait le combat. C'est pas glorieux. On peut pas vraiment l'aider en plus. Ok, le hacking était possible, j'aurais peut-être dû le lancer, mais je vais maintenant le combat va être gagné. Je vais économiser. C'est un bon deal, hein. 4 d'essence. Un drone. Ah, ensuite, il y a toujours une micro-chance de dropper une arme. Hein. Mais on est secteur 2, donc au niveau des ressources, du scrap, ça va pas être dingue. Ça va pas être beaucoup plus. Donc c'est un deal qui est clairement acceptable. C'est des ressources qui m'intéressent. Merci Serpent Siffleur pour le Prime. Eltelas, Hirohito le Grand. Incroyable. Merci. Il n'y a pas eu un des anniversaires. Mister Happy. Merci pour le siècle. Merci Rominov pour les 3 siècles. Des bisous, si tu es encore là. Incroyable, incroyable. Merci Anthrax pour le Prime. Bon, allez. On va accepter. L'essence, c'est rare. Enfin, c'est pas... Oui, si. C'est rare en masse, on va dire. Et la panne d'essence, c'est vraiment le pire truc. Un des pires trucs qui peut nous arriver. Être constamment au... Au-dessus de 10, c'est quand même confortable. Et préférable. Alors. Bon, je pense que j'ai le temps de faire tout ce que je veux faire. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, putain. Oh, putain. Ah, voilà, un bouclier. Voilà, voilà, bravo. Hein, bravo, un bouclier, meilleur call. Je sais pas pourquoi j'ai hacké les armes. Je sais pas pourquoi je les ai hackées tout de suite. Parfait. L'essentiel est là. Au moment où on va se faire des niveaux au bouclier juste avec les astéroïdes, hein, bravo à lui. Ah si je mets... Non mais non, parce qu'il n'y a pas de brèche donc il va heal. J'aurais pu mettre l'étourdisseur de Yonik pour tirer à l'infini. Ah mais non, mais il serait fait défoncer par, par les astéroïdes. Donc en fait non, il n'y avait pas de solution pour XP ici. On va avancer, hein.
Oui, c'est vrai que le ion dans ce cas-là aurait été pas mal. Mais on était dans l'urgence. Je peux pas upgrader ici vu qu'on est en... dans un champ d'astéroïdes. Et en plus... je n'ai pas le scrap pour. Des intrus à bord. Où ça? Ah, ils ont tout de suite rage quit, hein. On a senti que c'était mi-chaud. J'ai une clone B, hein. Tout à fait. Je crois qu'on va devoir... ça va être un passage obligatoire, hélas. Ok, passons par là. D'accord, ils se désintéressent totalement de leurs potes. Basculer là pour terminer l'éventuel humain qui fait encore chier. C'est pas le cas. On a perdu un anus dans cette histoire. Chiant. On a pris cher, hein. S'il y a le même event, prochain secteur, bon, on videra le tout l'oxygène. Parce que c'est simple à apprendre. J'ai fait une vidéo de FTL, un superbe tuto. La tempête de ion, on va éviter tout risque inutile. Parce que là... c'est compliqué. C'était super, hein, ces petites nébuleuses. J'ai pris beaucoup de plaisir. Jamais, jamais je ne plierai le genou devant les esclavagistes. Par contre, si je pouvais remettre mon équipement en ligne, ça serait top, au top, hein. Alors c'est pas la plus belle manière d'utiliser le hacking, mais c'est très confortable pour l'instant. Vu qu'on n'a pas de bouclier, on n'a pas vraiment d'autre choix. Allez, courage. FTL dans la LAN de Zarator. Ainsi, ceux qui t'auront pour le problème. Et Anthrax. Ah, j'ai déjà dit. Anthrax, merci. Ok, on pourra pas faire celui-là. Mais on s'en sort pas mal. Deuxième bouclier, faudrait peut-être arrêter. Et de l'esquive aussi, ce serait pas mal. Parce que là, bon, 15% d'esquive, c'est pas dingue. Hein. J'ai modé mon FTL, non. Encore des esclavagistes? Mais c'est marrant, on tabasse des esclavagistes, mais jamais on nous propose un membre d'équipage, par exemple. Ok, c'est bon, on est intouchable. On va pas XP, hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que là, c'est long. Il y a que ce tir-là qui nous fait XP. C'est beau, mais c'est long. Par contre, on va pouvoir se faire grandement plaisir. Comme par exemple comme ça. Voilà, je pense que là, l'ambiance n'est pas au beau fixe chez eux. J'ai zéro de scraps. Ah ouais, putain. On va pas refuser le Rockman, on n'est pas des animaux. Ah non, c'est une Rockwoman, donc c'est Nadia. Comme un rock. Ah, c'est toujours pénible en vrai de mettre un Rockman aux portes parce qu'on a plus envie de l'avoir pour la baston. Faire tenir les portes à un Rockman. Faudrait peut-être le mettre au shield, hein, même si elle a aucune expérience, c'est-à-dire que Momo passe aux portes. Alors on sait que... on l'a déjà rappelé, hein, mais les portes, c'est souvent... comment dire, l'antichambre de la porte. Mais nous n'avons que 5 membres d'équipage pour l'instant, donc rien n'est joué pour le moment. Sa place n'est absolument pas en danger, hein, pour l'instant. Alors, ha ha ha, je savais bien que quelqu'un tomberait dans notre piège. Apparemment, cette balise de détresse n'est qu'un leurre permettant aux pirates d'attirer les vaisseaux de passage dans leur piège. Hein? Pas trop inquiétant, surtout s'il envoie canon à la fois. Je pense qu'après ce tir-là, il va charger comme un bourrin. On va lui faire comprendre qu'on n'est pas d'accord avec ce projet. Voilà. Un moment là, un moment fait un superbe taf. Si jamais des gens viennent chez nous,
Les portes sont plus solides, hein. Ah, il y a un truc qui a pété chez eux. Les shields ont pété. Ils ont fait, oh là. Ah non, mais des missiles, ça m'intéresse pas. Alors, bah, je pense que vous allez mourir, quoi. Sans rancune. Ah, c'est mieux. Plus d'essence, plus de scraps. Bon, allez, un secteur 2 pas aussi rentable que le premier, mais au moins, nous avons arraché notre burst laser 2. Un spatioport. Mais non, mais je veux pas... Non, ce n'est pas l'affaire du siècle, c'est de la merde. Nébuleuse ou les NJ. Le monde natal des NJ. J'ai un NJ. Si on peut avoir une quête à la virus ou une connerie du genre, why not? Pas forcément envie d'aller dans les nébuleuses. Ouais, on va prendre les verts. Est-ce que Cyberpunk est un jeu qui m'intéresse? Oui. Bien sûr. Alors, détresse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce layout à la pisse? C'est immonde. Vous recevez un message d'un petit envoi de... un petit convoi de réfugiés. Bonjour, nous aimerions vous aider dans votre mission, mais nous n'avons pas grand-chose à proposer. Si vous avez du métal en trop, nous pourrons peut-être faire quelque chose pour votre vaisseau. Ça dépend. Mon système de porte pour 13. En vrai, c'est un bon deal. C'est accepté. Oh là là, Momo est encore plus utile, du coup. Ou moins. Ça, c'est... c'est selon, hein, bien évidemment, les interprétations. Merci, Gnorki, pour les 1500 bitcoins. Parce que c'est notre moment. C'était fait. Ah, avec la cloche de chez KOTV, énorme. Vous suivez le signal de détresse jusqu'à une minuscule ceinture d'astéroïdes. Vous voyez un petit vaisseau pris au beau milieu et qui tente de s'en sortir. Je peux vous aider si vous voulez. Ah non, je peux pas en fait, j'ai rien. Bon allez, je suis un mec à la cool, je vais vous protéger avec mes boucliers. Bon. J'ai pris un point de dégâts. Mais c'est ok. Vous parvenez à les sauver, mais votre appareil subit quelques dégâts. L'autre vaisseau vous remercie en vous offrant une partie de la ferraille du carburant qui était en train d'extraire les astéroïdes. Putain. Jamais tombé sur un champ d'astéroïdes comme ça, moi. Allez, hop. Oh, bon, sur une salle vide, en plus. C'est bon. Souci réparé. Au vert. On pense à l'esquive, hein, je vous jure. Mais moi, je pense au magasin. On est chez les NJ, alors. Vous voyant arriver armé jusqu'aux dents, un vaisseau NJ vous envoie aussitôt un message pour vous dire qu'il se rend. Objectif, sujet, enrichissement, motivation NJ, survie, transfert de biens acceptable. Oui. J'accepte votre pognon. Oh putain! C'est généreux en ce moment, hein? Et la boutique? Eh ben ça tombe bien, hein? Petit burst laser 2? Non. N'oublions pas qu'il y a deux autres boutiques, hein, cependant, dans ce secteur. Qu'est-ce qu'on vous propose? Téléporteur, ça m'intéresse pas. Camouflage, oui, mais c'est trop cher pour l'instant. Bras réparateur, chargeur de batterie, piratage étourdissant, c'est sympathique. Piratage étourdissant, oui, c'est encore plus sympathique, évidemment, parce qu'ils sont étourdis, mais bon. C'est sympathique, mais pas indispensable, une fois de plus. Mon respirateur d'urgence ne coûte que 25 à la revente. Donc non, définitivement pas de cloak pour l'instant. Eh bien, baladons-nous. Alors, la sortie n'est disponible que par le bas. Ce sera important de s'en souvenir. Vos appareils vous révèlent la présence d'un important champ d'astéroïdes non loin. Vos scanners à courte portée pourraient y détecter des ressources utiles pendant que vous attendez que votre générateur supraluminique se recharge. D'accord. Ah, mais ce pirate qui s'était caché derrière l'un des plus gros astéroïdes vous attaque. Ça alors, avec un Vulcain secteur 3. Sympa. J'ai pas besoin de le hacker, je pense. À moins vraiment que tous mes tirs loupent. Nice. Good job, guys. Avec 15% d'esquive. J'aime ce. Voilà. Hein, ça, c'est un problème réglé. Va falloir bien réparer hein, pour le remettre en ligne, ce Vulcain. Ah bah, oh bah, et ça brûlait en plus. Ah bah, ça va être beaucoup plus dur d'esquiver les astéroïdes maintenant. Oh non, bah, vous savez, récemment, j'ai gagné 30, 40 scrap, donc 16. Même si les 3 d'essence, c'est glamour. Allez. Allez, l'astéroïde, là. Ah, j'attends. Bah tout d'un coup il n'y a plus... Voilà, merci. 25 de scraps, ah c'est pas dingue, hein. J'aurais pu prendre le deal finalement.
Où est cette maudite boutique? Le soleil de Seymour. Cette balise a été placée trop près d'une étoile super géante de classe M. Votre vaisseau risque de rapidement surchauffer si vous ne partez pas d'ici. Un vaisseau pirate, manifestement inconscient du danger, manœuvre pour engager le combat. Avec deux bursts laser 2, mais qu'est-ce que... Oh, ça va faire très très mal. Oh, ça va être très douloureux. Quelle horreur. Et je peux pas hacker, évidemment, vu que... Bah oui. Aïe aïe, oh le pilotage, pire news. Oh non! Ok. Ça brûle où? Dans le hacking? C'est pas vrai. Trop tard. Quelle horreur! Ah oui, j'ai tout ouvert alors que mon oxygène. Ok, je reste frais. Bien que chaque individu NJ soit constitué de trillions de nanomachines, la culture de cette race repose sur des interactions sociales traditionnelles. Une station à proximité semble conçue pour le divertissement des voyageurs NJ de passage. Brick. Énorme, hein. Cette petite boucle musicale de réparation des Lanus. Okay. On a eu un peu chaud au cul, hein. Prévenez une station proche que les rebelles vous poursuivent. Elle vous offre d'équiper votre vaisseau d'une nouvelle arme et vous souhaite bonne chance. Moi, elle aurait pu me filer une autre arme, mais merci. Très important de se plaindre. Ouais. Faisons le plein. C'est pas cher. Ça sera moins cher qu'en magasin. On a un flak et un basique laser. Un vaisseau non identifié gravement endommagé sous le feu, nourri d'un appareil pirate. Ok, c'est double récompense. Le pot de vin est un peu intéressant, d'autant plus que j'ai de l'essence maintenant. Il sera peut-être meilleur plus tard, mais surtout on peut avoir une double récompense. Casser la gueule. Est-ce que je fous là sur le coup? Allez. Vaut mieux, hein. À moins de 10 HP, on va pas jouer l'économie des drones. Meilleur pot de vin, mais c'est les missiles, les ressources qui m'intéressent le moins. J'aimerais bien un Zoltan aussi.
C'est Rebecca. Adieu, Rebecca. L'appareil pirate explose, laissant derrière lui une intéressante collection de pièces de ferraille. Vous décidez d'aller examiner le vaisseau que vous venez de sauver. Le ciel soit loué, vous nous avez sauvés. Nous n'avons pas grand-chose à vous offrir en récompense, mais notre ingénieur informaticien devrait pouvoir réparer votre PC. Génial. On n'aura pas à dépenser de l'argent pour se réparer. Un signal crypté de la Fédération est envoyé depuis une planète proche. Attention, Xavier, cela pourrait être un piège. Allez, j'y vais. Vous arrivez à un avant-poste secret de la Fédération, mais apparemment les rebelles l'ont trouvé avant vous. L'endroit est désert et des taches de sang sont visibles dans les quartiers d'habitation. Vous découvrez l'émetteur du signal crypté et vous le coupez avant d'en partir. C'était un non-événement. Vous êtes arrivé à la balise longue portée une fois le générateur SPL chargé, oui. Ah, vous m'avez l'air d'être des militaires. Nous essayons de rentrer chez nous en un seul morceau. Je suis ingénieur informaticien. Si vous avez des provisions dont vous ne savez que faire, je peux essayer d'améliorer votre réacteur. Le réacteur, c'est juste de l'énergie. Putain, c'est cher, mec. Mais les missiles, j'en ai vraiment rien à carrer. Alors les deux drones, ça me savate, mais c'est ok. Hop. Secteur civil, bien sûr. Ok, les trois nébuleuses sont là, c'est ce qu'on espérait, un peu de nébuleuse pour gratter du terrain, vu que la vague rebelle avancera moins vite. On est efficace, hein. On a commencé cette partie, la VOD, hein, parce que ça a été poussif depuis 44 minutes, c'est peut-être on est peut-être en train de bosser sur un PB là. Alors allons-y. Aïe. Ok, cool. Vous tombez sur deux vaisseaux sévèrement endommagés dérivant dans le secteur, probablement les vestiges d'une bataille. Vous commencez à récupérer les débris encore utilisables quand vous entendez quelqu'un se téléporter à votre bord. Puis vous percevez les vociférations de l'unité d'abordage qui sont là. Très bien. Bonjour. Alors ça, l'ambiance va s'alourdir pour tout le monde par contre. Allez, on joue la technique de l'asphyxie. Merci à tous d'avoir participé. Tous à votre poste. Ah mais j'ai pas remis l'oxygène. Ils sont encore vivants, bravo. Bon voilà, moi j'aime pas quand il y a du boarding, mais s'il y a du boarding où il y a des récompenses, ça me parle déjà plus. On a failli perdre mon moment, hein. Un vaisseau de la Fédération sévèrement endommagé se cache dans la nébuleuse près de cette balise. Avant que vous n'ayez le temps de le contacter, il disparaît dans les nuages de gaz et de poussière. Hélas, je n'ai pas de scanner à longue portée. Je vais essayer de les aider. La chance est de votre côté, vous trouvez le vaisseau en train de flotter non loin de là dans la nébuleuse. Ravi d'avoir été retrouvé par des alliés, l'équipage abandonne son vaisseau en ruine pour monter à votre bord. Et on obtient Ken, qui est maître. Ça c'est rare. En moteur. C'est excellent. Cyprien va passer aux caméras. C'est Yves, bien sûr, Yves Rocher. Ok, énorme. Je suis arrivé de l'enfer, bien sûr. Impressionnant. Bon, alors, vider l'oxygène des caméras, c'est un petit peu nul. On va plutôt mettre Cyprien... Ouais, mais je voulais un Rockman pour se battre. Parce que... Ah bah si, bah il sera un peu mobile. Il mettra 8 ans à arriver, mais... Je pense que c'est un meilleur deal de mettre le Lanius au shield, au moins. Ne serait-ce que pour le feu, pour le boarding. Pour beaucoup de choses. Pour les brèches. Surtout. Ouais, non, c'est ok. Partons là-dessus. Une boutique. Alléluia ! Je vais peut-être la prendre tout de suite, car j'ai envie de faire l'appel de détresse aussi. Si on veut optimiser un maximum. Je peux peut-être prendre ça d'ailleurs. La vague des rebelles n'est pas encore là grâce à ces deux nébuleuses de début de partie. Faisons celui-là. Merde, j'ai pas mis au point d'oxyde, idiot. Ah bah oui, double idiot. Trois boucliers, putain. Oh le bad. Je bad. Ok, bouclier du coup. Hein.
Merde. Oh, il l'a loupé. Ok. Énorme. Allez. Oh putain, le drone qui m'a fait chier. Il a le drone de mort en plus qui crée, putain. Bon, si c'est des mantis qui réparent, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ok. J'ai encore le hacking, donc autant taquiner les armes un petit peu. Y'a quelqu'un qui s'occupe de ça? C'est pas possible de vider l'air de manière optimale, là, c'est un peu chiant. On va envoyer le Rockman. Le Rockman est immunisé, j'aurais dû le faire tout de suite. Hacking. Des boucliers. Les drones. Bonne chose de faite. Pas mal l'essence. Mais ce que je vous propose, c'est de crever. Ok. Not bad. C'est vrai que hacking, c'est très fort. Double boutique, ça alors. Cependant, c'est celle-ci qui nous intéresse pour notre routing du secteur. Ah, la porte du pilotage avec le Yanus, oui, c'était une bonne façon de faire aussi, très juste. Il y a de jolis drones, mais on ne peut pas investir là-dedans. Le camouflage est peut-être d'actualité, sauf si... Albert Beam, très très fort, bien sûr. Mais ça demande d'être synchronisé. Si j'avais deux bursts laser 2, ça serait une évidence. Mais vu que mes lasers sont pas synchronisés, c'est plus chiant qu'autre chose. Et on a le hacking, donc c'est pas obligatoire. Même si c'est plutôt confortable. Mais ce qui est encore plus confortable, c'est le camouflage, hein, ma foi. Peut-être le... Ah oui, je vais revendre ça. Ça, c'est sûr que j'en ai pas besoin. Tourdisseur ionique. Ouais. Petit camouflage, c'est bon pour le moral. Hein. Ok, let's go. On va pouvoir faire cet appel de détresse. Peut-être éventuellement refaire du scrap pour la prochaine boutique. Est-ce que je fais le ouf? Allez. Parmi les débris, vous trouvez un schéma de drone récupérable. En fait, j'aurais dû le faire la dernière fois aussi. Pour la simple et bonne raison qu'après tout, j'ai la clone bay. Donc c'était une erreur de pas le faire. À moins que ce soit un de ces events bizarres. Bref, un drone d'abordage et 34 de scraps. Donc beaucoup plus de scrap au final. J'ai pas d'oxygène. Détresse. Oui, hacking plus beam, ça casse des fions. Il est vrai. Salut, nous avons utilisé tout ce qu'il nous restait de carburant SPL pour rejoindre cette station. Oui, tenez, vous allez me donner masse de pognon. Quoi? Ah. Ok. Ouais. C'est le routing que j'avais plus ou moins faire. Donc, je suis mi-saucé. Mais du coup, on sait que c'est plus avantageux de passer par le haut. Est-ce qu'on a vraiment le temps de tout faire par contre? Non, pas du tout. On peut du moins tenter. Ah, ok. Beaucoup d'essence. Hein. Allez, on va se lancer sur les astéroïdes. Ça serait sympathique de pouvoir économiser du hacking. Pas sûr que... Oh là là, le burst laser 3. Cloaking. Vive le cloaking. Déjà ? Combien ? Ok. Arrêtez, putain. Bon, faut que j'enlève mon autofire. Ok, c'est le moment du cloaking. Pas de panique. C'est le moment du hacking. Ok, cool. Le drone s'est pris un astéroïde. C'est cocasse. Bon, allez, je tente quand même. Voilà, avant tout du confort. Vraiment, putain. C'est tellement invraisemblable que j'ai pas de cloak. Ouais, mais l'astéroïde, oui, c'est vrai que l'astéroïde joue en ma défaveur. J'en ai marre. Yes. Astéroïde qui passe.
De l'essence. Alléluia. On a dû gagner pas mal en esquive pour le pilote, là, avec tous ces astéroïdes. Ah oui, mais le pilote, c'est fait. Ah ouais, d'accord, on est bien, en fait. 35% d'esquive avec seulement 3 dans les moteurs. C'est confortable. Je pense qu'on va oublier la détresse, mais je vais avoir une boutique encore intéressante. Du moins, concernant l'argent que j'y emmène. À votre arrivée, une myriade de signaux d'alerte illumine votre écran. Cette fois-ci, c'est le moteur qu'on essaie de les moteurs qu'on essaie de me couper. Je vais contrer ça. Ah merde, ils ont clocking. Alors ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Je m'étais dit que j'avais pas besoin du hacking. J'aurais dû regarder, putain. De toute façon, on sait quand va partir le clocking. Ouf, on a de la chance, il va partir pour le bridge. Il ne part jamais, visiblement. Si. Mauvaise nouvelle, il est encore là. Oh, j'ai tellement pas envie de me le prendre, mais on n'a pas le temps, ça va recloquer. Il a un clocking qui dure 2 ans, il sera chargé 100%. Je peux m'en aller, là. Je vais pas le faire. Ok. Ah ben non, le clocking revient. Ah, c'est beaucoup trop lent. Désolé. Alors c'est peut-être pas le meilleur move ce que je fais parce qu'il y a quand même un NG à la réparation. Clocking à nouveau. Putain, c'est chiant. Alors on va pas y couper cette fois-ci. À moins que. Oxygène qui prend évidemment LOL. Il veut pas mourir. Ah oui, mais il y a une medbay. Ok. C'est pas très subtil, hein, mais bon, je persiste et signe. Ok. Le laser. Le missile est revenu. Ah, le feu. Voilà, voilà. Ça me parle. Bon, 2 NG sur le coup, du coup. Voilà. C'est ça qu'on aime voir. Oui, oui, c'est bon. Non. Hey, Megan Linus, how's it going? Are you going live soon? Du 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 du. Terminé en musique. Music. Ah, maintenant que le vaisseau pirate est détruit, les moteurs de votre vaisseau tournent à plein régime. Vous récupérez tout ce que vous pouvez parmi les débris 427 de scrap. C'est pas dingue, mais on est bien content d'avoir l'essence. Mine de rien, boutique. Let's go. Let's go. Ainsi, The Polinois pour le Prime et Ooran. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est Full Osef et... ça, c'est... ouais, non. C'est Noël avec le Weapon Pre-Igniter parce qu'on a le hacking. Ça reste fort, mais 25 secondes, c'est beaucoup trop lent. Alors ensuite... Avec un maître en armes, ça sera moins, ça sera 20 secondes, mais... Donc le rayon glaive, c'est une des armes les plus puissantes du jeu. Hein. C'est un petit rayon, similaire au Albert Beam, mais qui fait 3 de dégâts par salle, s'il n'y a pas de bouclier. Le Albert Beam, par contre, ouais, c'est peut-être l'heure du Albert Beam. Enfin, c'est l'heure du Albert Beam. On n'y est pas encore, mais... Enfin, quoi que si, on a le clocking, ouais. Enfin, on a le hacking. Fuck! Fuck! Ok. Ouais. C'est un peu audacieux, mais pour la première salve, pourquoi pas jouer la Zarafale 2 rayon H avec un hacking bien timé. Allez, possibilité de double récompense ici. Il n'y a que 2 vaisseaux à porter et ceux-ci semblent se battre. L'un d'eux arbore les couleurs des pirates de l'espace. Intolérable. Burst Laser 2, fait chier, je suis un peu obligé de jouer vite, mais bon.
Quoique non, pas forcément. Ah, il va me hacker aussi. Ah non, j'ai le cloak, idiot. Oh, les armes, fils de sa mère. Je pourrais hacker le hacking. Ça va peut-être être nécessaire, d'ailleurs. Parce que j'ai envie de jouer mon rayon H, bien sûr. Je sens qu'il va me hacker, j'attends. C'est une mauvaise décision. Non. Ok. Bonne chose de faite. Alright. Allez, 2-2, 28 et... une réparation encore. Bon, là, c'était moins nécessaire, mais on accepte volontiers. Oui, on peut le faire. Oh, vous localisez une colonie minière humaine proche, dans laquelle se propage une maladie inconnue mais extrêmement virulente. Les autorités sont en train de mettre en place une quarantaine, mais une émeute vient de se déclencher. Donc je peux envoyer mon rocailleux casser des gueules, mais le mieux c'est d'envoyer le NJ, hein, me semble-t-il. Calmer les infectés. N'ayant pas à craindre d'attraper la maladie, votre NJ aide à rassurer les humains infectés et à les organiser. Calmé par sa grande connaissance de la physiologie humaine, les malades acceptent la quarantaine dans l'espoir que cela aidera à mettre au point un remède. Les dirigeants de la colonie vous offrent une récompense pour les avoir aidés à empêcher un incident qui aurait pu dégénérer. Vous détectez un éclaireur rebelle automatisé attaquant un petit avant-poste de ravitaillement. Possibilité de double récompense ici. C'est un clodo de l'espace. Il doit avoir beaucoup en esquive, mais c'est tout, hein. En tout cas, il va pas kiffer le rayon H. Ça, je vous le promets. Récompense minable, mais... meilleure récompense. Lorsque le vaisseau de reconnaissance explose, vous recevez un message de l'avant-poste. Merci du coup de main. On n'arrête pas de se faire harceler par ces éclaireurs. Tenez, prenez ceci, c'est offert par la maison. Merci. On va peut-être s'intéresser au troisième bouclier. Merci Origoku pour le siècle. Incroyable, mon anniversaire pendant un clodo de l'espace. Merci pour tout MV. Ah, merci à toi. Merci Jonis Hallyday pour le Prime. Et Abaldeus Tomiji. Merci encore. Oscan révèle une raffinerie de minerais ainsi que plusieurs usines, toutes vides et à l'arrêt. Vous ne détectez aucun signe de vie, on se fait chier. Hey Waxman Music, how's it going? Vous êtes arrivé à la balise longue portée. Une fois le générateur SPL chargé, vous pourrez effectuer un saut pour rejoindre le prochain secteur. Oh, Mikhail ou Marcus, les petits amis. T'as encore un mètre en moteur. T'as 27, c'est moins cher que gratuit. Alors ensuite, est-ce qu'on a envie d'un fier bastonneur ou d'un réparateur? 27, c'est moins cher que gratuit, hein, c'est abusé. On est en normal, sans pause. Yo, Sprouting Bud. Mais non, pas adieu moment. Nous avons encore deux places à bord de notre équipage. Dans mes rêves les plus fous, il me filait un Zoltan, quoi. Ah, tu viens de faire un script qui lit les phrases du chat en text to speech. C'est très angoissant. Quel enfer. Pire idée. C'est trop lent par contre, ils se bougent tellement lentement le cul. Ouais, je vais prendre un réparateur, je vais prendre un NJ. Même si là, du coup, oui, son utilité est limitée, mais bon. On va se la jouer comme As, je vais le mettre en haut. Ça sera le gardien du noir.
Incroyable. Lux, notre ami de Seven Saga, le robot. Bon, je suis pas sûr que c'était vraiment hyper nécessaire. Mais bon, c'est fait, hein. Secteur abandonné avec des Lanius de ses morts. Alors, c'est horrible, hein, les Lanius. On l'avait dit, à partir du secteur 5, c'est infernal. Ils ont des gros vaisseaux, très puissants, avec souvent du mind control ou du hacking. Mais on a des Lanius, alors on a peut-être des choix intéressants. Allez, on va peut-être le regretter. Puis on aura la musique des Lanius, c'est vrai. Ça fait déjà une heure qu'on a commencé, on va peut-être faire marquer une petite pause. Je commence à le prendre. Et à lui sucer le derrière. Mais il y a une boutique directement. C'est peut-être ça qui va me faire regretter d'avoir acheté cette NJ. Merci Dutchko Popoff qui offre 10 subs à la communauté. Énorme. Énorme. Dankeschön. Merci beaucoup. Merci Zakwan22 qui avait Prime également. Merci beaucoup. Détresse donc. J'ai pas pris encore le troisième bouclier. De toute façon, j'ai pas l'argent. Vu que j'ai acheté mon fucking NJ. Pourquoi la police a changé? C'est moi qui. Elle était pas plus grasse? J'ai dû faire une manip. Ou bien c'est vraiment moi qui fume du mauvais shit. Non, mais non, la police a changé, je le sais. On dirait que elle est pas. En fait, la police est passée à celle des membres d'équipage. Ouais. Merci Radmo pour le prime. On dirait que la balise de détresse du vaisseau Mantis fonctionne mal. Sans doute à cause du vaisseau Lanius qui mine sa coque et ses sous-systèmes. Quelque chose vous dit que l'appareil Mantis ne tiendra pas longtemps. Bah ok. Aïe aïe aïe. Oh, dégueulasse. Bon, de toute façon notre plan de jeu il est simple. Hacker cette merde. Je suis obligé de cloquer pas sur le flak. Et le double laser qui risque de faire mal, mais sur le fucking... J'étais si lent. Oh, c'est douloureux ça, non? Vous pensez que c'est douloureux? Moi, je pense. 95%, s'il me touchait, c'était possible. Hein, c'était possible. Allez, sans rancune. Le vaisseau explose. 1 d'essence, 2 de missiles, 47 de scrap. Les Mantis, quant à eux, me remercient, incroyable. Le vaisseau Mantis a subi trop... Ah non, le vaisseau Mantis a subi trop de dégâts. Il n'y a pas le moins de survivants à l'intérieur. Mais nous récupérerons toutes les ressources possibles dans les débris. Et 155 de scrap, tout va mieux. Appuie sur plus. Seulement. C'est ça? Ah non, c'est vraiment ça. Énorme. Putain. Est-ce qu'il y a plusieurs tailles de police? On va voir ça, prochaine boîte de dialogue. Alors, normalement, je devrais prendre le troisième bouclier, mais bon, il y a une boutique, je veux dire, on n'est pas des animaux, quoi. Ça marche pas. Ça marche tellement pas. Vous interceptez une discussion entre un patrouilleur rebelle et une colonie minière d'humains. À moins que ça soit plus et moins sur... Ah ! Ah oui, c'est sur le pas... Ouais, mais alors, attendez, parce qu'il est où, l'autre ? Parce que là, on est en clavier, ça m'habite. Bah, chez Backspace, non. Parce que le plus, là, a fait l'effet de moi. on va regarder la hotkey après. Bon, on peut la regarder là. Commande. Non, pas du tout. Option. Augmenter police des événements. Là. Et diminuer là. KF1. Énorme! Passe un bon moment. Hein. Vous interceptez une discussion entre un patrouilleur rebelle. Pourquoi pas la mettre à fond d'ailleurs, celles et ceux qui sont sur mobile. Nous savons que vous êtes inquiets, mais tous les rapports indiquent que ces pourris métalliques ne s'en prêtent qu'aux colonies abandonnées. Si nous relocalisions nos flottes à la moindre demande, eh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Avant que vous n'ayez le temps de réagir, la communication est coupée et le vaisseau rebelle se rue à l'attaque. Double flaque, ok. Une TP. Chiant. Bonjour. Mmh.
Bonjour. Non. Au revoir. C'est un jeu indé, bien sûr. Yes, ok, nice. Mais non, mais n'importe quoi. Ah, sinon, il traîne avec son copain. Ouais, non, mais le problème, c'est que s'il y a une embrouille... Ou sinon, il traîne... Voilà, on va le mettre en plein milieu du vaisseau. Ça, c'est un bon move. Comme ça, hein, il se démerde. S'il y a une embrouille, il est là, quoi. Oh non, la boutique est esselée toute seule. Fallait que je fasse ça tout de suite. Idiot. Apprends à lire une carte. Apprends les airs de reggae. Non, parce que, vous savez, il y a les bouquins musicaux pour les enfants, avec Grosse Dame, Hippopotame et compagnie. Et quelqu'un nous a offert, alors qu'elle connaissait pas la super blague que j'avais piquée à Sikoussimouche, là. Ma blague sur le... Bref. Et donc, on a un bouquin où c'est les premiers airs de reggae. Donc, vous avez des versions en MIDI dégueulasses. Si vous appuyez sur la petite pastille de Get Up, Stand Up, One Love, I Can See Clearly Now, etc. Énorme. Donc ça m'a fait penser à ça. Vous vous souvenez de cette blague pourrie, hein, meilleure blague. Alors, quoi qu'en Afrique du Sud, j'ai écouté du très bon reggae. Et en fait, ça m'a presque réconcilié avec le chant. Troisième bouclier, bon bref. Ouais, allez, hein. Ah ouais, non mais... Ah d'accord, mais ensuite j'ai plus rien, quoi. Perdu ma femme, mon gosse, mon job, quoi. Allez. What? Ce vaisseau marchand Lanus en possédait un traducteur automatique particulièrement performant. Car vous le comprenez sans mal, contenu métallique plus que suffisant. Alors dommage, si j'avais pas dépensé mon argent, j'aurais pu avoir un troisième Lanus, car ça coûte 40 balles pour recruter le traducteur Lanus. Par contre, 6 d'essence, 25 scrap, c'est sympa, mais non, non. C'est hélas. Attends, est-ce que je peux les énerver si j'ai pas d'argent? Ouais, voilà, c'est ça. Aucune importance, celui-ci n'apprécie pas ce vaisseau. Sur ces mots, il s'éloigne. Et vous ne pouvez que vous demander ce qu'ils ont bien vu pu vouloir dire. Leur programme de traduction n'est peut-être pas encore finalisé. Dommage pour le traducteur Lanus. Merci Garrick Inukami pour le Prime. À votre arrivée, vous vous retrouvez en plein chaos. La batterie anti-aérienne d'une planète tire sur plusieurs vaisseaux Lanus. Alors, ce sont mes alliés. Est-ce que ça me fait créer une double récompense, ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais me faire hacker? Oh là là, vous avez beaucoup trop de trucs. Les moteurs, c'est une catastrophe. On va hacker les armes. Putain, mais j'ai plus beaucoup de ressources, moi. Ça tout... Ça... What? J'avais 95% d'esquive et il m'a niqué? Putain, c'est une vanne. Le vaisseau Lanus se désintègre et vous décidez de récupérer tout ce qu'il y a à son bord dès que l'occasion se présentera. Vous achevez votre adversaire à l'aide de votre batterie anti-aérienne, mais le combat continue de faire rage au loin. Vous ferez mieux de vous en aller avant de devoir vous battre de nouveau. Mais non, non, je voulais me battre de nouveau et avoir une vraie récompense en plus derrière. Terrible, ce n'était pas possible. Je suis deg. La sortie... Ah oui, d'accord. Ça, ouais. Voilà, faut être vigilant, hein, des fois. Sortie n'est pas disponible d'en bas, sauf si on va jusque là. Là. Ah si, Silas et Yangels pour les primes. Oh, un slug. Oh putain, je l'aurais pris le slug en vrai. Maître pilote. Oh franchement. Ah.
Parce que le slug en pilote, c'est génial vu qu'il peut pas se faire main control. Ouais, je vais le prendre, allez. Bon, du coup, on a deux Lanus qui sont un peu au chômage technique. Hein. C'est pas grave, allez, on s'éclate. C'est Gilwell, bien sûr. Pilote en mode relax. Ah, c'était pas un esclavagiste là? Ah si. Oh, c'est pas grave. Ah, c'est la première fois qu'on m'offre un truc pareil. Hein. Un rebelle vous envoie un message. Qui aurait cru que le vaisseau le plus recherché de tout ce secteur de la galaxie passerait par ma station? Faites vos prières, Nyark! Mais il est nul ton vaisseau. Il est nul ton coucou. Quoique. Ah, il va le sentir passer, hein, je vous spoil. Voilà, je pense qu'il a pas kiffé. Ce n'est que mon humble avis. Hein. Son lance-missile est encore en ligne de ses morts. Je peux m'énerver. Ah, mais vite! Mais quel con! Le rayon H peut transpercer un bouclier. Il n'y a rien dans le cul, ton coucou. Ok. Boutique, putain, j'ai dépensé ma maille. Rayon H, Albert Bim, ouais. Vous recevez un message d'une station à proximité. La fin est proche. Les démons de métal arrivent pour absorber votre puissance vitale. Mais il n'est pas trop tard pour vous préparer au pire. On dirait une publicité pour un statioport. Vous scannez ces produits. Recharge automatique, c'est entre les tirs. Pas mal, pas mal. Ça, on s'en fout. Il y a un monde où... où j'attends de mettre ça en ligne. Hein. À défaut de trouver mieux. Et le mind control un jour aussi. TP Lanus. Ah, si je prends le mind control, en plus, c'est vrai que c'est drôle, mais... Ah bah non, je peux pas prendre le mind control si je prends un TP. Non, j'ai pas envie de jouer... Je dois gérer du hacking et du Albert Beam, j'ai pas envie de jouer de la TP en plus. Il semble y avoir une sorte de station de recherche à proximité d'un pulsar. Ah non! Mais vous avez du mal à en être sûr. Une partie de la structure ayant fondu. Le vaisseau Lanus qui était en train de la désosser l'abandonne pour vous intercepter. Ne semblant pas craindre les impulsions électromagnétiques. Eh bah bravo. Ah bah génial. Ok. J'ai pas hacké en me disant que leurs boucliers vont sauter. C'est sûrement une erreur. Nice. Ah c'est leur... Oh, oh là ils ont tout perdu. Ah bah désos. Non 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 c'est bon. Ah bah c'est con hein. On va attendre le dernier moment. Putain c'est pas dingue. Un éclaireur rebelle patrouille autour de la balise. Ah 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 oui. Je savais bien que vous tenteriez de vous faufiler par secteur quand j'ai appris qu'il était devenu dangereux. Rendez-vous. Hein? Oh non, le drone de ses morts. Ok. Dans mes shields. Ah bah c'est génial. Je vais me prendre une impulsion d'ion dans mes shields. Je reste frais. Pour l'instant, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Pourquoi j'ai pas hacké? Vous pouvez me l'expliquer ça? Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. A priori, j'ai mon temps. J'ai tout mon temps. Alors la grande nouvelle là-dedans, c'est que... Mais Lanus, il s'en fout du manque d'oxygène. Non, c'est refusé. Oui, mais lui fait... Oui, oui, c'est ça. Donc la brèche, on s'en fout. Par contre, ils ont pas l'air bien, eux. Hein. Ça a mal se passer. Hein. Ok. 142 de scrap, hein.
Bon, bah, la sortie est là, oui. Profitez, prenons ce saut-là. De mémoire, j'ai pas fait Frostpunk. Si, je l'ai commencé, mais on ne l'a jamais continué. Alors que c'est un très bon jeu, hein, mais bon, vous savez, hein, on peut pas jouer à tout, hein. On doit jouer à FTL Isaac. Merci Budkheim pour le siècle. Merci Taco7, Askios, Ikane, Richwax. Pour les primes. Connaissez-vous Twitch Prime? Retour de l'être aimé. Réussite en amour, vigueur sexuelle. Réussite à tous les niveaux. Les cartes indiquent... Putain, il faut que je fasse mes fausses pubs. J'ai envie de transformer ce stream là. Ah, j'ai envie là, j'ai envie de transformer tout ça. Ouais. La télé 2.0. Ça, j'ai envie que ça soit Cyril Hanouna puissance 10. C'est-à-dire que vous arrivez sur ce stream et votre cerveau direct se désintègre. Les cartes indiquent qu'il y a eu ici... Et le seul neurone qui vous reste ne vous permet plus que de cliquer sur le bouton s'abonner avec Twitch Prime. C'est là où j'essaie d'emmener le stream. Ah, salut Faye. Les cartes indiquent qu'il y a eu ici une petite escarmouche contre un complexe militaire installé sur une lune à proximité. Étrangement, vos scans ne détectent aucun signe de débris issu de la bataille ou de la station, encore un secteur victime de la rapacité des Lanius. Ah, bien Ninja Jim. Personne ne pose les vraies questions. Pourquoi il n'y a pas FTL à Azilan? Ah, je sais. Vous aurez remarqué quand même qu'à l'Azilan de Zerator, on a foutu un Chazredin, alors, soi-disant, sans le lobbying d'Emmanuel Marquez. Il faut dire, où sont FTL et Isaac? Bon, on en est où là? Fin de secteur 5 et toujours pas mis de pub? C'est incroyable. Là, on sent que c'est vraiment la passion du jeu. Hein. Ainsi, le dessert masqué, Sept d'Ami. Et en quoi, je pourrais prime. Des débris provenant d'une vieille bataille spatiale continuent de tourner en orbite autour de la géante gazeuse de système. Certains sont peut-être récupérables. En effet, j'ai 189 de scrap, c'est bien, mais c'est pas si dingue. Le monde natal des Zoltans, ça m'effraie. Quête du Zoltan Shield? Quête du Zoltan Shield? Oh putain, ça serait ouf. Une boutique? Oh, j'aime ces nébuleuses. Pourquoi j'aime ces nébuleuses? Parce qu'on va les faire, parce qu'on va gratter du pognon et... Mine de rien, derrière, il n'y a pas tant de sauts de balises que ça, donc on peut tomber sur, éventuellement sur la quête du Zoltan Shield qui se passe sur une balise neutre. Alors pas une nébuleuse, hein, je pense, mais on va gratter ces 4 nébuleuses, c'est gratuit, c'est cadeau. J'aime ce très bon layout, même si c'est effrayant d'affronter des Zoltans, certes, on va sûrement monter notre hacking niveau 3, voire aussi notre camouflage niveau 2. Bref, attention aux sauts, il y a une arnaque? Bah non, bah là les sauts ils sont clairs et limpides, hein. Tout est relié, c'est pas trop chiant. Là, ce que je dois faire, là, mon routing, en gros, c'est ça, 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 les trois nébuleuses là, je reviens ici. Ah non, c'est de la bite. Ah, c'est chiant. Donc non, là, les trois nébuleuses, c'est d'ailleurs mieux pour l'avancée rebelle. Ici, là. On oublie celle-là, qui sera plus dispo, sûrement. Sauf miracle. Et ensuite, on piffe. Bref, le moment est venu de faire une pause. Merci, Jack30 pour le Prime. A tout de suite, YouTube. Oscur. Je préfère Zerator. X. Narcus pite moi le cul. Oscur. Mais WTF. Et mamazelle. Lul. Re à YouTube. C'est la même connerie que le jeu sur la lune de la NASA. À l'aide. On teste un petit outil qu'a développé Emile Weff, ça prend quelques phrases du chat et ça les lit à haute voix. J'aime S-E-E-U, M-R-M-V-F-1-Q-M-R-M-V-F-1-Q-M-R-M. Mais ça nous permet de... Voilà, on me reproche souvent... Mille fois mieux comme ça, Lul. J-A-J. On me reproche assez souvent de pas assez écouter mon chat, de pas assez interagir avec ma communauté. Salut YouTube, mets un post bleu. C'est vrai. Pitié, stop. G-E-M-C-E-U. J-P-P, Lul. Quel beau script. Voilà. Bon, dis-moi dans les commentaires si tu trouves que c'est une bonne idée de les laisser pour toutes les VOD. Merci Oxy, Ananal31, Bilibit, Elitix pour le Prime, Geeks30. Encouage Seb Dami. Le dessert masqué. Taco 7. Putain, il y en a eu beaucoup. Bon, merci. Et merci Neymas de la pour le Resub Tier 3. Salut Dame Dame. Ok, FTL. Ah oui, alors. Bien Ninja Jim m'a envoyé un message. Et c'est vrai. Il y a un mode daltonien. Pourquoi on l'utilise pas? Ah oui, d'accord. Non mais.
Attendez. Alors je vous avoue de pas être totalement au fait. Mais y a plein d'éléments qui restent verts. Genre les armes et les barres de vie et tout. Alors... C'est pas clair pour moi. Hein. Ok. C'est un semi-mode daltonien. Merci Relic et Buffalo Zoo pour les primes. Ok, let's go. 189 de scrap, nous avons moult ressources. Et on avait dit que ça pouvait peut-être être un peu dangereux. On n'a pas de boutique en vue. Mais qui sait. Si on trouve nos amis... c'est le moteur vraiment que je voulais mettre. C'était plutôt le cloaking, je crois. Ou le hacking. Ok, on va se la jouer comme as. Un de plus pour que le cloak nous fasse passer au-dessus de 100% d'esquive. Et 3 de hacking. On commence par le haut, donc. Allez, si on trouve le Zoltan Shield, c'est dingue. Passe à 7 en armes. Ah oui, merde. On me dit 6, on me dit 7. Ça change tout le temps, alors j'en ai plein le cul. Ouais, nébuleux, c'est 7. Ok. Un petit champ d'astéroïdes entre... dans l'atmosphère. Oui, d'une planète à proximité, formant une sorte de feu d'artifice à l'échelle galactique. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de profiter du spectacle tout en programmant le prochain saut. Dommage. Allez, c'est parti. Attention. Pas de tempête de ion. Vous croisez la route d'un vaisseau de reconnaissance de pointe appartenant à la flotte rebelle qui recherche justement votre astronef dans cette partie de la nébuleuse. Il y a du hacking. Air lance-missile. Le pilotage, c'est une horreur. Mais le timing sera bon. Bonne chose de faite. Oh, et en plus on a le feu a fonctionné, alors ça n'arrive jamais. Ok. Bah allez, soyons greedy. Nice. 6 drones, hein. Est-ce que j'en drop? Oui. 47 de scrap. Aïe. Non, je vais laisser tranquille. C'est un horrible event, ça. Et pour des récompenses qui sont pas vraiment folles. Vous surprenez deux vaisseaux pirates qui rôdent dans la nébuleuse. Ils ne remarquent pas votre présence et vous arrivez à scanner leur cargaison. L'un d'eux transporte du carburant et l'autre des munitions. Ils commencent à dériver et à s'éloigner l'un de l'autre dans la tempête. Non, franchement, la tempête de Yon, je suis moyen saucé, quoi. Missiles. Vous vous souvenez, la dernière partie, j'ai eu deux fois l'event où on peut vendre 15 missiles. J'en rêve de cet event. À l'intérieur de la nébuleuse, vous détectez une planète solitaire dérivant dans l'espace. Non, le grand œil, c'est horrible. Je m'en vais également. Bon, bah, ces nébuleuses n'ont servi à rien. C'est regrettable. Allez, on va se mettre en route et essayer de choper la quête du Zoltan Shield, j'y crois à mort. Merci Nuts, 0-0 pour le prime. Qu'est-ce que c'est que ce Glaive Beam? Vous découvrez de nombreux vaisseaux civils Zoltan qui se battent contre des pirates. Malheureusement, l'un d'entre eux se trompe sur vos intentions et vous attaque. Il refuse toute tentative de communication et vous n'avez d'autre choix que de vous battre. Si seulement j'avais un peu plus en caméra pour savoir de quoi il leur tourne. Ok, donc c'est juste ça qui peut faire que le Glaive Beam me touche. Le reste, c'est ok. On va faire tomber le Zoltan Shield dans un premier temps. Ok, mon Albert Beam met 16 secondes. Mais moins. En fait, le moment où mon deuxième Albert Beam sera prêt, c'est sûrement là où le Shield partira. Ok, nickel. Pas du tout, en fait. By the way. Allez, courage. Le vaisseau explose. Pas d'essence cependant. Beaucoup de ressources. Je
vais attendre, mais je peux le faire. Hein. Passer à 7 en armes. Je vais le faire. Même si elles sont pas chargées. Alors j'espère que les 7 slots d'armes n'ont pas besoin d'être remplis. Pour que ça ait du sens. Vous recevez un message. Ce secteur est interdit. Préparez-vous à être scanné. Il n'y a qu'un seul vaisseau de garde autour de cette balise isolée. Vous décidez de vous battre. Tout à fait. Rampi, j'esquive le missile. Ok, cool. La bombe loupe. C'est du tout bon pour l'instant. Douloureux, mais ok. Je suis toujours à 20, je le vis bien. Cloaking est revenu. Ça se passe bien, hein. Petit normal nos pauses, hein, mais du plaisir. Alors on sait que maintenant, de source sûre, que l'appel de détresse ne peut pas avoir la quête du Zoltan Shield. Cependant, ça reste un appel de détresse avec des choses à gagner. Il est là. Elle est là, la quête du Zoltan Shield. Énorme. Pas du tout. Comme dans beaucoup d'endroits... Mais il y a des batailles à chaque fois, hein, c'est bien. Comme dans beaucoup d'endroits de l'espace Zoltan, les habitants de ce secteur se sont préparés à la guerre galactique. Les militaires en poste dans les environs semblent avoir abordé toute idée de discuter avec les étrangers préférant attaquer à vue. J'ai peut-être essayé de garder un hacking là, tranquille. Oh, j'ai eu de la moule, je pensais que le shield serait revenu à temps. Je pense que la désynchro est bonne pour moi. Yes. Allez. J'activerai mon chain laser bientôt. Mais il me manque un peu d'énergie pour l'instant. Allez, je prends l'appel de détresse. Ah, ce point isolé, elle est là, la quête du Zoltan Shield, j'en suis quasi sûr. Je trouve une boutique aussi. Très confortable. Des signaux d'alarme se déclenchent dans votre cockpit. Un vaisseau ennemi vous prend pour cible. Ce signal de détresse est éteint l'heure pour attirer les vaisseaux imprudents à portée de tir. Ça reste des ressources. On est au secteur 6, hein, on est pas mal. Ok. Oh, ce double missile. J'ai quand même target le shield. Ah, en plus, ça emprisonne les autres. Ça, c'est du génie. Descend, c'était très intéressant. Mais ça l'est encore plus. Avec les 3 d'essence. Allez, crevez d'asphyxie, je vous en supplie. Ah, et ils tiennent, bravo. Calibre laser 1, évidemment moins bon que le 2, mais au niveau de la synchronisation, c'est quasi similaire. 11 secondes versus 12. Donc on sait qu'on doit vendre le chain laser et on sait qu'on va mettre notre laser rafale 1 en ligne. Alors même si c'est pas très pratique de faire 1 et 3 pour les lasers, ça nous permet de protéger notre rayon H. Donc c'est sûrement là-dessus qu'on va partir. Pas de boutique en vue encore. Mais oh, la clone bay pour éviter mauvaise surprise, c'est vrai que c'est pas déconnant. Ouais. Je prends le risque.
Est-ce que je vais là? Je sais pas pourquoi je sens qu'elle est là, cette quête. On est sollicité la quête du Zoltan Shield. Non, mais on a des batailles à chaque secteur. Et ça, c'est bien aussi. C'est exceptionnel pour les 12 siècles de suite. Mais 18 en tout. Ah oui, d'accord. Maintenant, il y a les mind games. Vous repérez un vaisseau pirate en train de piller un petit croiseur Zoltan. Les pirates vous aperçoivent et vous attaquent avant que votre générateur SPL n'ait eu le temps de se recharger. Encore une TP à venir. D'accord. Il va falloir être un peu au taquet, là. Pas de drone, cependant. Je les ai enfermés, ça c'est du génie par contre. Ah, j'ai eu 3 salles, mais ça devrait les occuper. Je pense que leur priorité n'est absolument plus de se TP maintenant. Ah si, y'en a un qui veut, y'en a un qui tente quand même. Hein. Y'en a un qui est dans le mood. Mais ah putain, quel con. Oui, tuons-le. Ils sont étourdis. Profitons-en, non? Bon, ils perdent leur niveau maître en shield, mais c'est pas trop grave. Ils vont le récupérer assez vite. Oui, j'ai oublié de le faire. Ah, j'aurais pu les découper. Ouais, bon. Ça va. Putain, la quête du Zoltan Shield, merde, elle n'était pas là. Ma vie est dégueulasse. Faut bien l'admettre, l'espace Zoltan est vraiment un endroit aussi beau que paisible. Toutefois, votre mission consiste à réactiver le générateur supraluminique de votre vaisseau et à mener votre mission à bien, pas à faire du tourisme. Certes. Boutique détresse, putain. Oh, j'ai envie de dive. J'ai envie de dive tout. J'ai envie de trouver cette quête. Je peux dive, j'ai le cloak. Afin de pouvoir vendre des marchandises au marché noir et de ne pas se faire repérer, un équipage mantis s'est établi dans le domaine d'une baleine de l'espace mort depuis longtemps. Alors c'est con d'avoir dépensé mon argent juste avant ce shop. Oh. Ok, on a un flak 1. La Zarafale 3, c'est moins intéressant que le Albert Beam. Beaucoup moins. Je peux pas prendre, mettre le flac en ligne en plus, hein, ça ferait 9 d'énergie, c'est 8 au maximum. Trouver l'anus au shield? Ah oui? À moins qu'il ait jamais eu le temps de faire ces niveaux. C'est plutôt ça, je crois, hein. Non, l'ordre est bon. Non, pas du tout. Cyprien. Si, c'est Cyprien qui opère les shields. Il va repasser expert. Alors oui, on peut mettre, bien entendu, le flak à la place du Burst Laser 1. C'est ce qu'on va faire, c'est pas... J'aurais préféré l'option où on dépensait pas d'argent. Mais c'est en effet meilleur que le Burst Laser 1, bien sûr. Pour ouvrir les boucliers. Le flak est à 10 secondes. Il est trop rapide pour le reste, mais... très pratique. Et il a un tir de plus, c'est surtout ça. Aucune chance de feu, par contre, on est d'accord. Ouais. Je me demande si j'ai vraiment envie de dépenser mon argent. Un petit laser lourd, ouais, ce serait pas mal. Oui, le flak est long à arriver, donc ouais, il y a une synchro quand même. Mind control est tentant, c'était ce que je voulais jouer. Ok. Je sais pas prendre le flak. J'avais dit qu'on divait toute notre vie. C'est bien ce que j'ai dit, hein.
C'est vrai qu'il y avait un tir en plus quand même. Bon, c'est sûrement une erreur, mais... J'avais envie d'économiser pour d'autres choses. Dac. Ça va être compliqué de le faire passer, mais je vais tenter. Bon, du coup, ouais, le hacking, c'était peut-être overkill. Mais c'est fait, hein. Nice. Sûrement devoir acheter en caméra. Petite quête de Zoltan Shield, là. Non. Les rois la loi mantis font souvent l'erreur de prendre les Zoltans pour des proies faciles. Tout à fait. Un éclair passe à l'attaque tandis que des envahisseurs ennemis se téléportent à votre bord. J'ai la clone bed niveau 1. Attends contre ton pote, je t'en supplie. Non. On va juste cloak. Maintenant. Ok, maintenant faut faire quelque chose. La clone bay est morte. Ça, c'est une vraie info, hein. Bon. À un moment, c'est bien combattu, hein. Oui. Vous êtes des mauvaises langues. Ah, j'aurais même pas le temps d'exploiter celui-là. Putain, c'est pas un dive de ouf, hein. Encore un combat, espérons-le. C'est le cas. Petite navette apparaît sur votre radar. Il s'agit d'un vaisseau de reconnaissance automatisé des rebelles. Oh, c'est vilain. Ok, les portes, c'est le mieux qui pouvait nous arriver. Non, en fait, ça va. Je vais essayer de conserver mon hacking. Grid is feed. Ok, nickel. Je me suis trompé, putain. Ok, l'Albert Beam est down. Par contre, on a une full synchro de ça, faut qu'il y en ait un qui miss, c'est le cas. Pas besoin de cloak. Allez, c'est parti. Merci Paco et Kamesenin pour les primes. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? De la TP, un flak 2, ok, que des choses horribles bien sûr. On va hacker les armes. On va faire ça. Et il se dirige vers la clone bay, c'est un absolu non. Et on va faire ça pour les baits. Ok, c'est foutu. Hop. Merci. J'ai jamais tiré, hein, by the way. Jamais hacké. Mais je n'avais pas besoin de m'occuper de ça. Ça ne m'intéressait pas. Les mantis ou les Zoltans? Ouais, mais c'est les Zoltans, mais c'est pas les Zoltans avec la quête. Allez. Bon. Des nébuleuses pour commencer. C'est une grande nouvelle. Putain, j'ai déjà toute mon énergie de dépenser. Ouais, j'ai aucun Zoltan. J'ai pas acheté la batterie encore. Comment ça pue la merde, hein. Enfin, y'a pire. Ok, on aura juste à cloak le missile.
Les astéroïdes vont bien nous aider pour tout ce qui est... Eh bien oui, ma foi. J'ai quand même balancé ça. Ok. Bon, on va aller à l'économie. On va juste mind control le pilote, surtout. Et à partir de là, tout va bien se passer. Il va falloir être rapide. C'est parti. Douloureux. Good job. Allez. C'est vrai que le hacking hein, avec un rayon, c'est du plaisir. Et là, il y en a même pas besoin. Donc, tant qu'il y a assez de tirs pour ouvrir assez facilement le bouclier, c'est beaucoup de plaisir. Est-ce que j'ai le temps de faire le grand chelem? Non, pas du tout. Un clodo de l'espace! Les épaves enchevêtrées de nombreux vaisseaux gisent là. Vous voyez des lumières clignoter sur ce qui semble être des débris quand soudain un appareil de reconnaissance rebelle surgit de l'épave. Alors certes, il doit être armé comme Jaja, c'est le cas. Mais il n'a pas de bouclier, donc... voilà, qui devrait lui faire le plus grand bien. Ouais, c'est dommage, ouais. C'est dommage, hein. Il avait même pas tant d'esquive que ça, visiblement. Est-ce que j'ai le temps de faire le ouf là? Pour gratter ça. À nouveau. Ah, attendez. Quand je vais sauter de là à là, ça sera là, on va dire. Attendez. De là à là. Puis le point tout en le plus en haut par là. Puis ensuite l'autre point là. Je crois que ça passe. Parce que j'ai envie de prendre mes nébuleuses, mais c'est juste que derrière là, ça va pas être super opti pour faire un max de trucs. Ah oui, surtout qu'il y a aucun... Ouais non, ok, bon. L'aventure. Cloaking. Encore le même stuff, Burst Laser 2, Burst Laser 3. On passe un bon moment, hein. Ok. Ah putain, j'aurais pu faire 4, je suis con en visant les moteurs. Pas grave, on va le laisser survivre un round de plus. C'est une PSP, ouais. Comme toujours. Cipolarito, merci Troll Sawyer pour le siècle. Bravo et merci pour tout MV, pour Isaac et pour Remix Life qui m'a motivé à me mettre à MO. Exact, yes. Oui. Bon, et puis sinon, je vais être papa. Ah, félicitations! Yes! Bisous. C'est intense, mais c'est bien. Ok. J'ai un niveau des armes là maintenant, c'est ça? Ouais. Ok, cool. Les 4 boucliers font pas plaisir, mais le chain laser peut pas ouvrir mes boucliers pour les drones. Donc ma seule inquiétude, c'est ce missile de merde. Ok, putain, just. Mais c'est ce que je voulais. Si ça passait pas, j'étais obligé d'hacker les armes ou les boucliers et de risquer. Donc là, on va quand même focus les armes, toujours. Et cette fois-ci, je vais essayer de choper le pilotage avec. Yes. Et maintenant, on peut plus louper, donc ça devrait mieux se passer, hein, ma foi. J'ai de l'argent, mais où sont les magasins ? Putain, des batailles à chaque... On a bien fait de passer par le haut, hein. Des batailles à chaque balise, c'est assez rare. Vous arrivez... Oh là là! Ah, il y a un pulsar. Ok. Ok, ok. Et deux flaques.
Faut juste que le cloque tienne, faut que quelque chose tienne. Leurs boucliers vont sûrement sauter. J'espère que ça sera aussi sympathique que tout à l'heure. Je cloque avant. J'envoie tout de suite, on sait jamais. Ouais, mes armes ont sauté. Et j'ai pas visé les armes comme un con. Bon, j'ai visé le shield, c'est plutôt une bonne chose. Mind control le pilote. Ok. Ça passe. Ils ont plus d'armes. Ni de bouclier. Ouais, j'aurais peut-être dû envoyer dans le shield. Le shield ressaute. Nice. Facile. Ok. 261 scrap. On va attendre le dernier moment. Ok, c'est bon, ça passe. Quoique, putain, ça va être... Just. 4 boucliers et un Zoltan Shield. Toujours plus. Hein. C'est vraiment dommage qu'on ait pas eu la quête du Zoltan Shield. J'ai encore 2 slots d'augmentation disponibles. J'ai jamais acheté d'augmentation ni droppé d'augmentation. Ça aurait été insane. Mais bon. On n'est pas tombé dessus. Et puis même quand on tombe dessus, ensuite c'est 1 sur 2 parce qu'on peut avoir le Zoltan mettre en tout plutôt que le Zoltan Shield. Et avoir le Zoltan mettre en tout, ça nous aurait fait abandonner des moments. C'est quand même terrible. On va hacker. Non, on va pas hacker. Ben ça cut son chargement d'armes. Allez, let's go. Pile poil ce qu'il faut. Le petit point d'arme qui fait chier vu qu'ils ont pas de buffer en arme. J'ai oublié de mind control encore, tiens, hop. Tabasse tes armes vu que l'autre est oublié, visiblement occupé avec le bouclier. Et là, ça devient critique. L'event des missiles, putain. J'ai 49 missiles à vendre. Mais je ne peux le vendre que sur un event. Hein. Si on pouvait vendre les missiles au magasin, le jeu deviendrait 2 fois plus facile. Yes. Ah oui, mais du coup, il y a un choix cornélien, là. Parce que je suis à peu près sûr qu'il y a une autre boutique. Le problème, c'est que si elle est en haut, elle va être dure à jouer. Donc, Oh, putain. Yes. Ça devrait passer. À l'intérieur de la... Le grand œil. Au revoir. Je ne veux pas m'approcher du grand œil. Est-ce que ça, ça passerait pas aussi? Non, ça déjà, c'est plus l'aventure. Non. Parce que là, quand je vais là, le prochain saut, elle sera à peu près... Elle sera juste avant la nébuleuse. Mon saut vers la détresse, elle avance là. Mon saut vers la boutique, elle avance là. Mon saut de la boutique à droite, elle avance... Ouais, c'est de la merde. C'est déjà chaud. Vous tombez sur un énorme cargo Zoltan sans personne à son bord pour le diriger. Ce qui est arrivé à l'équipage demeure un mystère, mais il serait dommage de ne pas se gaver de pognon. C'est vrai. Oh putain. Alors j'ai du pognon pour faire les 2 boutiques. Ensuite... Est-ce que j'ai assez de pognon pour terminer mon stuff? Oui. Je veux dire, hors achat boutique. Donc autant les visiter les 2, je pense. Et j'ai besoin d'augmentation, donc ouais, pourquoi pas. Ok, rayon pique Hermès, ça nous concerne pas. C'est un... Ah oui, il faudrait que je trouve un heavy laser. Un heavy laser compléterait mon stuff. Il n'y a rien d'intéressant ici, c'est une catastrophe. On va réparer de 2. L'essence, j'en ai pas besoin vu qu'on va m'en redonner à outrance. Vous arrivez à un complexe de recherche Zoltan. Les scientifiques vous expliquent qu'ils sont en train d'effectuer une étude sur la distorsion génétique liée au sommeil stasique et au voyage SPL prolongé. Ils vous demandent si vos hommes d'équipage ont le temps de passer quelques scans, bien sûr. Vos hommes d'équipage s'alignent calmement pour que les Zoltans puissent procéder à... au toucher rectal.
Peu de temps après, ils ont terminé vos contacts. Merci d'avoir participé à notre étude. Je vous prie de bien vouloir accepter ces petits gâteaux à base de pâte dure et de ferraille. Okay. On va pas dive, c'est pas worse. Je pourrais. Bon, en vrai, je suis même pas sûr de gagner de saut par rapport au saut de sortie. Merci Médéric64 qui a offert un sub. À Tiny Pedro. Allez. Oh, oui. Oh. On s'en fout de ça parce qu'on a le slug. On s'en fout de ça parce que c'est terminé. Ça, c'est cool. 50% de chance de résistance au ion. On est ok. Le laser lourd, on est ok. Alors, moment, il nous dit quoi, moment? Ok. Lux. Lux, il est faible parce que c'est un NJ, mais bon, ils sont maîtres, quoi. Putain, il a failli arriver au bout. C'est trop dommage. J'ai trop besoin d'énergie. J'ai un besoin d'énergie qui est trop fort, là. On va presque acheter des drones, je vais y réfléchir. Enfin, c'est trop cruel, mais... J'espère qu'il nous pardonnera. Excuse-nous, maman. Attendez, on l'a pas acheté dans l'espace, on l'a déposé dans une boutique. Il vivra des jours heureux chez les Zoltans. Il sera vendu tel un esclave dans une boutique. C'est quand même une amélioration par rapport à juste mourir dans l'espace sans oxygène. Alors. Ma bite. Ma bite est un Zoltan et ma bite s'occupe des armes. Les deux NJ sont prêts à réparer et tiennent les portes et les caméras, c'est parfait! J'ai besoin de mon 8ème slot d'armes. On nous a pas revendu la batterie, finalement j'aurais dû la prendre plus tôt. C'est ainsi. J'ai assez d'essence pour arriver, je pensais au drone, mais en vrai, faut que je termine mon stuff aussi. Ensuite, si vraiment ils me mettent les balises de réparation dans des endroits dégueulasses, j'ai peut-être et que j'ai du mal à passer la phase de drone de défense. Peut-être pas déconnant d'acheter des drones quand même. J'ai des buffers à mettre partout, le mind control 2 ou 3 serait pas mal. J'ai pas besoin de réparer, je vais être réparé de 10 à l'entrée au secteur 8. Je vais acheter 3 drones. Allez. Comme dans beaucoup d'endroits de l'espace Zoltan, les habitants de ce secteur se sont préparés à la guerre galactique. Les militaires en poste dans les environs semblent avoir abandonné toute idée de discuter avec les étrangers, préférant attaquer à vue. Ok. Il y a un monde où j'arrive à faire tomber ça sans utiliser le Albert Beam. Nice. Ok. Je vais pas hacker, j'ai tellement de trucs là. Les armes sont où, d'accord. Oh, le magnifique heavy laser qui fout le feu dans le bouclier. J'avais oublié de mal contrôler le pilote. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire. Hein. Ce qui est un peu chiant. En plus, j'ai une disposition de boutons assez bizarre pour préserver mon Albert Beam. C'est un peu sport. Hein. Mais bon. Diablement efficace. Allez. Oh merde!
J'ai jamais lancé l'enregistrement. Comment ça? Jamais lancé l'enregistrement YouTube. Bon, c'est pas grave, je vais cut ça sous... Je vais télécharger VOD et me débrouiller. Ok. C'est ok. C'est pas grave. Putain, c'est la deuxième fois qu'on nous propose un... C'est dingue ça, hein. Deux fois, des esclavagistes nous ont proposé un slug, maître pilote, et celui-là en plus, est également expérimenté en armes. Mais nous allons surtout attaquer ces pourritures d'esclavagistes. Burst laser 3, missile. Ah, y a peut-être moyen de le tuer. Ça dépend. Ouais, mais c'est que mind control niveau 1, donc ouais, le Rockman va pas y mettre assez cher, c'est pas rentable. Quoique. Non. Oh, 70 scrap du plaisir. Toujours moyen de trouver un dernier shop, hein. Il me reste un slot d'augmentation. Weapon Pregnator. Allez, dernier secteur. Nous y sommes. Nous sommes aidés par le général Tully. 10 d'essence, réparation de 10. Et c'est parti, le layout est immonde. Toutes les réparations, j'ai bien fait d'acheter des drones, sont près du boss. On va donc pêcher des combats et rêver éventuellement d'une boutique. Par contre, nous sommes proches de la base. Mais lui, aussi. C'est horrible. Pas de TP. On a eu peu de TP au final. Hein. Bon, là, ça doit être l'orgie des drones. Je l'ai balancé trop tard. Oh putain, il passe. Ça a failli être une grave erreur. Ah, vite. Ok. Je suis organisé comme un cul. Mais c'est ok. C'est chaud, hein. Y a beaucoup de choses à faire. Je suis passé à... performance sur les hotkeys. Parce que ça c'est N, mais c'est N quand il est collé. C'est quoi le bouton pour le launch? C'est ça qu'il faut que je regarde. Faut que je regarde la hotkey ici. Qui évidemment est pas disponible. Connard. C'est quoi ma hotkey? La hotkey pour lancer le hack. Début du piratage N, d'accord. Mais envoyer le piratage, il n'y en a pas? Activer piratage L. Launch quoi, on va dire launch. Mind control c'est M. Locking c'est ça, on le sait, j'utilise tout le temps. Ok. Pas de shop en vue. Peut-être par là, hein. On va gratter par le bas. Pourquoi je dépense pas ma thune? Même si ce secteur est toujours sous contrôle de la Fédération, un éclaireur ennemi a réussi à passer en évitant de se faire repérer. Vous décidez à engager le combat avec lui. Très bien. Merde. Panique, panique, panique. Voilà, j'ai trop de choses à faire, je panique. 1, 2, 3... Ok. Un, deux, trois. Ça c'est fait. Le laser lourd, quelle belle invention quand même, hein.
Allez, dernière boutique. Oh, le champ ionique inversé, sa mère. Alors évidemment, on peut augmenter... Alors là, il y a deux écoles. On peut prendre recharge automatique pour tirer plus vite. Mais si je prends champ ionique inversé, les ions n'ont aucune incidence sur moi. Donc je pense que je vais prendre ça. On peut vendre le respirateur. Ah, c'est tout à fait juste ça, en vrai. Faut que j'augmente mon oxygène par contre, ça commence à se voir. On va vendre le respirateur d'urgence, prendre le champ ionique inversé, prendre la recharge automatique, on va tirer plus vite. On va prendre la batterie de secours. Et là, ça commence à sentir bon. Alors. B hein, pour la batterie. Alors. J'ai pas la DNA, faudra que je fasse gaffe à ça. La clone bay. Ça va être problématique. Ok. Booster en shield, ouais. Le buffer en shield, ouais, c'est peut-être. Peut-être été raisonnable. Pompe sur un event, quitte à un non-event. Caméra, mais un. Non, mais caméra, ça. En fait, les sous-systèmes ne dépensent pas d'énergie. C'est indépendant. Vous arrivez à proximité d'une station spatiale endommagée. Fouillez les débris pour trouver la ferraille. Merci. La récompense du dernier secteur. Hein. Allez, le buffer en bouclier. Dommage de ne pas avoir tout en pilotage. Alors là, c'est chaud. J'ai tellement de trucs à faire. Incoming. Je vais quand même mettre un en clone bear. Parce que dans la panique, il est possible qu'on oublie. La bonne nouvelle, c'est que les ions, on s'en fout. Y a pas de drone de défense, il y a juste le cloaking. Le mind control niveau 2 serait plus confortable sur le pilote. Quand même. J'ai la batterie. Ah oui, je vais me faire hacker bien sûr. Oxygène, ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai que maintenant? Vite. Ok. Privé de missiles, c'est une bonne chose. J'ai oublié de mind control. Fin de la batterie. Mais l'oxygène était à 2, donc ça va tenir. Mind control le pilote dans quelques instants. Genre maintenant. Ou plutôt un quelque chose quoi. Le hacking, why not. L'oxygène, ça commence à se voir. Y'a plus de shield donc c'est bon. Le vrai problème c'est que je vais me faire télé. Je vais me faire board par 12 000 personnes à la phase 3, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Ok. Nice. Alors. On a survécu. Merci Père DTV pour le prime. Folie Coulo également. Merci Médéric64. Ah mais j'avais dit. Oh, y'a pas un dé. Merci, merci. Je suis dans ma battle. Pilotage, ouais. Je pense que c'est pilotage. Faut pas oublier que mon pilote ne peut pas être mind control, JLOL. Car c'est un slug. Le point d'esquive en plus est tentant, même s'il n'est pas décisif. C'est plus 3. On va mettre ça. C'est quand même plus important. Ok.
Par défaut, quand même, si ça borde là, ça pourrait être sympa. Le cloaking reste niveau 1, le mind control niveau 2 éventuellement. On a un saut gratos qu'on va prendre. Ok, le mind control va juste servir en contre ici. J'ai eu un peu peur du burst laser 3, mais on l'a fait tomber. Ok. Chargeur de batterie. Ça réduit de moitié le cooldown de la batterie, mais ce que j'ai là est beaucoup trop bon. Quoique. Il y a encore les ions en phase 2 ? Non, si. Qu'est-ce qui saute en phase 2 ? Oui, c'est ça. Il n'y a plus les ions. Donc, ouais, bah c'est bon. Allons-y, alors. Bah, nickel. Ok, donc je mets le hacking à 1 au début parce que j'essaie de glitch à travers. Ok. Ah, j'avais encore une bataille. Mais bon, là, ça devient un peu ridicule. Oui, c'est vrai que par défaut... En fait, ouais, voilà, c'est ça. Juste celle-là, et le shield non du coup. Oui, celle-ci on peut, on a le droit. Et le reste non. Si, celle-là aussi. Mais ça les empêche pas de se TP là comme des abrutis, on est d'accord. Hein. C'est vrai que le Lanus isolé, pourquoi pas le mettre dans la clone bay. Même si réparer les shields, c'est important aussi. Donc, ok. C'est pas la phase TP, non. Pense encore. Oui, donc les ions bien sautés. Et il y a le boarding drone de ses morts aussi. Donc faire tomber les drones va être aussi important que le reste. Ou du moins mettre le laser lourd dedans. Pilotage ou shield ? Non, shield. Ok. Ok, nice, il est désactivé. Ok, on va cloque niveau 2 parce que mon pilotage est dead. Nice. Ok. Eh ben, ça se passe bien. Bon, c'est maintenant en fait, la vraie difficulté. C'est, on va se faire aggro. Ça se passe bien, on est content. Je n'ai pas fucké les armes, incroyable, mais vrai, j'ai utilisé la batterie, hein. Ça c'est vraiment un hommage pour vous. Alors.
Le hacking useless en premier lieu. La clone B, on va la mettre à 2, hein, par défaut. Mind Control reste à 1 vu qu'il est uniquement défensif. Nice. Ok. Allez, on va le chercher donc. Parti. Revenez à votre place. Ok, très bien ça. Vas-y, ramène-toi là. Toi aussi d'ailleurs. Ok, c'est chiant. Mon hacking a pris cher, d'accord. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi j'ai rien fait? Ok, je suis un peu en panique là. La clone bay active. Ok, j'ai pas mal de monde. On va aller à la réparation. Non. Je me demandais, mais il va bouger après, donc ça va être une galère. C'est tentant, hein. Non, faut que je protège la base. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, faire en sorte que mes mecs arrêtent de crever? Je les ai tous laissés dedans comme un con, du coup le Zoltan, il prend cher. Qu'est-ce qui brûle ici? Les Rockman pour ce qui brûle. Non. Les Rockman pour ce qui brûle. Heureusement que j'ai des portes niveau 40 000. Ok. Bon, il a perdu son rang de maître en armes, ma bite, mais bon, dans 13 tirs quand même, il redeviendra maître. Donc ouais, bon, en fait, ça va être compliqué. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va plus avoir les TP à gérer, à part une, peut-être. Ça devient tout de suite plus respirable. Ok. Du coup, on va se calmer sur la clone bay. Ouais. Le problème, c'est que j'ai vraiment envie d'avoir quand même le hacking à fond pour pas l'oublier. Du coup, je vais le décaler de la clone bay. Pas qu'il crève avec par inadvertance. Je voulais pas aller à la réparation parce que après je devais repasser par ce secteur-là chiant où il y aurait sûrement eu une embrouille avec une batterie, une DCA quoi, qui m'aurait obligé à utiliser mon cloak pour m'en aller, ça se trouve. Et du coup j'aurais dû attendre que mon cloak recharge sur le combat, ce qui aurait pu niquer tout mon timing. Bon, finalement, bon, pour 4 points de vie, c'est pas trop grave. Allez. Ok, personne va venir me TP, c'est la grande nouvelle. Vu que c'est les mecs dans le missile et dans les armes respectifs. Je suis obligé de tanker, full raté, c'est beau. Ok, nickel. Hacking. Ok, go. 1. Je l'ai envoyé trop tard, c'est pas trop grave. 2. Pas dans les armes, nickel. Go. J'aurais dû viser le missile aussi, j'aurais pu le down. C'est pas trop grave, le shield brûle. Et là, ça signe sa fin, je pense. Le cloak est pas parti? Ah non, il était pas là, c'est le mind control qui était là. Qui est mind control? Ok. Allez. Et tout le monde est vivant! On pense à un moment qui doit passer de bons moments, mais ailleurs. Vu qu'il a été revendu en tant qu'esclave. Mais il n'est pas mort. Moment n'est pas mort, je ne laisserai jamais dire ça. Bravo à Cyprien, Squeezie, Robochiot, Nadia, Yves, Lux, Gilloel et Mabit. L'équipage du bon moment. Score doit pas être dégueulasse. On n'avait pas de scrap recovery arm, hélas. Mais on a eu beaucoup de combats. 5000, ouais, plus de 5000, c'est bien.
le bon moment, qui aurait même mieux fait que la PGW, hein, qui avait gagné en difficile, avec pause. Premier anus A, pas de nouveau record de session. C'est vrai que nos records de session, ils commencent à être bien vénères, hein. Ça va être compliqué de les battre. Mais c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, Momo est peut-être mort, mais ce n'est pas de notre fait. Et ni de notre faute. Merci Albatros Vache qui nous host. Merci Joss O6 pour le prime. Irvine 51. Irvine 51. Peter 1, 2. Peter 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Ah là là. Attendez. Vous inquiétez pas, j'ai mon Fapalin. Terrible. Merci. Une autre partie, non. 2h35, vous savez, moi, demain, je vais au marché, je marche en forêt. Ça, quoi. Je fais une animation de 3h. Un light show pour ma fille. Je suis un père de famille, quoi. Bon. J'aime bien Into the Bridge, oui, mais il est instreamable. Au revoir à YouTube. Symboliquement, parce que là, j'ai pas de bouton sur lequel appuyer, vu que j'ai oublié le local record. Mais je vais récupérer ça sur Twitch. Donc, je vais pas te coucher tout de suite. Je ferais ça en faisant du Hearthstone. Énorme.